La réputation du bleuet du lac Saint-Jean n'est plus à faire. Hein? Et on sait tous qu'il est délicieux, mais il existe d'autres façons de le consommer. Et l'une d'entre elles, bien, c'est dans les produits cosmétiques. Ils sont même à la base de produits de l'entreprise Tapo, ton fruit, situé à Dolbeau-Mistassini. Et l'idée, bien, c'est de faire profiter de ses propriétés antioxydantes pour la peau. Et sa recette unique se retrouve maintenant dans des petits pots qui aident notamment à prévenir le vieillissement de la peau. Il existe une seule gamme de produits cosmétiques québécois dont la matière première est le bleuet. Il s'agit de Tapo ton fruit, une entreprise régionale située à Dolbeau-Mistassini. J'en discute avec la fondatrice Amélie Fortin. Bonjour. Bonjour. On connaît le bleuet comme le fruit typiquement régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est reconnu aussi pour ses excellentes propriétés, même pour les produits cosmétiques. Oui, absolument. Le bleuet est vraiment très riche en propriétés pour la peau. En fait, il y a trois principales propriétés, je pourrais dire. Okay. Premièrement, il est très, très antioxydant. En fait, c'est l'un des petits fruits les plus antioxydants au monde. Et donc, ça permet de faire vraiment une prévention anti-âge, mais naturelle. Ensuite, il va être très anti-inflammatoire. Donc, pour les problèmes de peau tels que la rosacée, les rougeurs, en fait, au niveau de la peau, bien, ce fruit-là peut également aider. Et finalement, bien, il est très, très riche en vitamine C. Donc, la vitamine C, on sait, bien, ça va donner vraiment beaucoup d'éclat à la peau, mais encore une fois, naturellement. Exploiter le bleuet sauvage. D'où vous est venue l'idée de l'utiliser à bon escient, en fait, pour en faire des produits cosmétiques? Mais en fait, l'idée m'est venue, ça fait très longtemps. J'avais 15 ans à l'époque. Je travaillais dans les kiosques touristiques de la région parce que moi, ma famille, en fait, travaille dans ce domaine-là depuis que je suis née. C'est en voyant un peu le regard que les touristes avaient sur ce fruit-là que c'est là que j'ai eu un peu un déclic. À l'époque, j'avais une très grande passion pour les cosmétiques. Et donc, je savais qu'en cosmétique, on recherchait les antioxydants. OK. Je me disais, mais pourquoi qu'on n'utiliserait pas ce fruit-là comme dans les cosmétiques? Ça pourrait peut-être être intéressant. J'ai contacté un premier laboratoire. Ça n'a pas plus ou moins fonctionné, mais ensuite, j'en ai contacté un autre. Puis la chimiste qui était propriétaire de ce laboratoire-là a tout de suite cru en mon projet. Puis c'est vraiment avec elle qu'on a plus élaboré un peu le concept. Le bleuet est entièrement cueilli à la main. Exactement, c'est ça. Donc, le bleuet et la feuille que nous cultivons nous-mêmes pour en faire nos extraits. C'est ce qu'on utilise là, pour faire nos extraits. Un plant de première année ne produira pas de fruits, mais la feuille va contenir tous les antioxydants. On est vraiment les seuls au monde à avoir développé un extrait avec la feuille de bleuet aussi. Les produits qui sont à base justement de bleuet sauvage, il y a une bonne distinction à faire aussi avec le bleuet cultivé. C'est un des fruits les plus antioxydants au monde. C'est deux fois plus antioxydant que le bleuet cultivé. C'est un fruit qui est québécois, donc qui est adapté au climat québécois. On a beaucoup de changements de température, donc c'est des produits qui vont être adaptés. Qu'est-ce que vous offrez là, comme gamme de produits actuellement? On a vraiment une gamme assez complète de soins pour le visage et également on a deux produits pour le corps, lait nettoyant, lait démaquillant. On a également des masques, donc masques pour le visage, exfoliant également. Crème pour le visage qui est en fait notre premier produit. Sérum, crème pour le corps. Ce sont des produits naturels. C'est vraiment aussi l'essence même là, de vos valeurs. Là. Oui, absolument. Pour nous, c'est vraiment très, très important d'avoir des ingrédients qui vont être sains, non nocifs pour la santé. Donc, tous nos produits sont environ à 97% et plus naturels. C'est très important qu'ils soient tous également végétaliens. Je trouve que ça peut être facile de s'y perdre un peu puis savoir, bon, qu'est-ce qu'on a besoin vraiment? Qu'est-ce que notre peau a besoin? Puis pour nous, c'est important de créer une gamme qui allait être simple d'utilisation. Vous avez des points de vente un peu partout au Québec. On a environ 80 points de vente, puis cette année, on a quand même dans l'intention d'agrandir notre réseau de distribution. Comment l'entreprise a évolué depuis 2016? Je commençais un peu à temps partiel, j'avais un autre travail en même temps. Puis au fil des années, on a développé d'autres produits, donc au rythme pratiquement de un nouveau produit par année. Tranquillement, en 2020, mon copain est venu, je l'ai convaincu en fait, à venir travailler avec moi. Ça nous a amené à être des fois sur la route, travailler à distance, en voyage, un petit peu partout. On est particulièrement fiers de ce qu'on a réussi à faire, ouais. Ça, c'est tous des contenants qui sont en test. Et puis, on a un gel douche, là,
On a deux formules qu'on a essayées. Donc, on devrait sortir quand même assez prochainement. Et on a un eau florale aussi, base de bleuet sauvage. On a signé une entente avec le groupe Jean Coutu. Donc, dans les prochaines semaines / mois, on va voir nos produits dans certaines pharmacies. Donc, on y va sous un partenariat un peu graduel. Donc, on va commencer avec une vingtaine, trentaine de points de vente dans les Jean Coutu pour ensuite continuer de le poursuivre dans les années à venir. Puis que notre fruit régional, finalement, soit adopté par les gens un peu partout au Québec et même plus loin, qui sait? Exactement, oui, effectivement, qu'on puisse continuer à faire rayonner ce petit fruit-là aux plusieurs propriétés. On verra plus les bleuets de la même façon. Au retour de la pause, on répond à vos questions. Restez là.